بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أعدائي عدواتي مزلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous aime en Allah سبحانه وتعالى. Et je demande à Allah de nous apaiser et de nous accorder la crainte d'Allah. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur de connaître l'islam, soyez intelligents, soyez sincères. Déployez-vous sincèrement et vous allez voir et vous allez vous retrouver et une fois pour toutes. Et vous allez trouver Allah subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah, les prophètes d'Allah, la religion d'Allah, la vérité absolue. Qu'Allah vous facilite et qu'Allah vous guide. Un frère me dit, la foi est belle, mais aucune religion n'est juste sauf celle du cœur. La foi est belle. Mais aucune religion est juste sauf celle du cœur. Ça, c'est notre frère Jean-Pierre. Donc Jean-Pierre nous dit, la foi est belle, mais aucune religion n'est juste sauf celle du cœur. Comment ils réduisent la puissance de Dieu en osant dire qu'une religion est née tel ou tel endroit. Je pense qu'il a voulu dire, est née à tel ou tel endroit. Le pouvoir de Dieu est si puissant. Il est l'univers. Dieu est partout à la fois. S'il avait dû choisir une religion type, il ne va pas choisir plus un peuple qu'un autre. Réveillez-vous. La foi est belle, c'est sûr. Mais est-ce que tu l'as, la foi? Et comment tu sais que tu l'as? Mes questions à moi. Donc, c'est quoi la foi? Elle est belle, à partir du moment où on lui donne une définition, et qui te permet de dire que tu as cette foi? Et comment tu sais qu'elle est dans le cœur? Il y a tellement de questions. Mais aucune religion n'est juste sauf celle du cœur. Ok? Donc chacun peut prétendre cela. Mais tu connais les hommes, mais tu connais les femmes, et tu connais les humains. Donc oui. La religion dans le cœur, très bien. Et dans les actes, il y a quoi? Il y a une impasse totale. Tu vois, le monde, avec tout ce qu'il a aujourd'hui, il a su reproduire et produire la misère que l'univers n'a pas connue avant, que la terre n'a pas connue avant. Et chacun peut te dire, ah oui, le cœur. Ah, la foi est dans le cœur, très bien. Et dans le corps, il y a quoi? Si il est dans le cœur, et dans le corps, il y a quoi? Et dans les comportements, il y a quoi? Et dans les agissements, il y a quoi? Pas loin d'hier, j'écoutais un philosophe qui disait que quelques dizaines de personnes possèdent ce que ne possèdent pas 3 milliards de personnes. Possèdent plus que 3 milliards de personnes. Mais tu vois dans quelle instabilité nous vivons aujourd'hui. Donc la foi est dans le cœur, c'est très facile à dire. D'accord? Et l'humain, tout est relatif, chacun verra la foi et expliquera la foi à sa sauce, et chacun fera ce qu'il veut. Et là, nous sommes dans l'anarchie totale. Déjà, les humains, quand ils se pensent adorateurs de Dieu, ils commettent des fautes infinies, malheureusement, parce qu'ils prétendent toujours que tout est dans le cœur, alors que dans le cœur, il n'y a rien. D'accord? Très bien. Comment ils réduisent la puissance de Dieu en osant dire qu'une religion est née à tel ou tel endroit. Et qu'est-ce qui empêche qu'une religion naît à tel ou tel endroit? Qu'est-ce qui l'empêche? Et qu'est-ce que ça a à voir avec la puissance de Dieu? Ma question, c'est, il y a où la contradiction? Allah subhanahu wa ta'ala a décidé d'envoyer des prophètes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de prophètes, à des peuples donnés, à des endroits donnés, à des périodes données. Il est où le mal dans cela? C'est lui-même qui a décidé. Maintenant, la question
Est-ce comment toi tu sais que ça contredit la puissance de Dieu de prétendre ceci ou cela? Est-ce que c'est lui qui l'a dit? Est-ce que c'est lui qui te l'a dit? Si c'est lui qui te l'a indiqué, montre-moi l'endroit s'il te plaît et je vais te suivre. Je vais récupérer cette intelligence que tu as eue, ce cœur que tu as eu, et je vais mettre une certaine hygiène dans ma vie. Je vais commencer à me border. D'accord? Mais j'espère que toi, tu t'es pas bordélisé, je pense. J'espère. Pas pour toi. Non, donc je ne vois pas comment ça peut contredire Dieu si Dieu nous dit clairement, bien identifié, qu'il a décidé d'envoyer des prophètes à des endroits donnés, à des périodes données, à des peuples donnés, tout au long de l'histoire, il l'a fait. Mieux, Allah subhanahu wa ta'ala a tamponné dans nos gènes, dans notre ADN biologique et dans notre ADN du cœur et de l'âme, une certaine acceptabilité de Dieu. Il est beaucoup plus facile d'accepter Dieu que de le refuser. Il est beaucoup plus facile dans les méditations que nous menons toutes nos vies de se dire il y a un Dieu. S'il y a horloge, il y a horloger. S'il y a créateur, créature, il y a créateur. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala a mis cela en nous, dans tous les peuples, il y a toujours eu depuis l'aube de l'humanité cette acceptabilité de Dieu. Et c'est pour ça que chaque peuple a expliqué Dieu à sa sauce. Quand il n'y a plus de prophètes, quand les prophètes, l'époque des prophètes est ancienne, quand il n'y a plus de lien avec les prophètes qui nous lient avec Allah, les gens, petit à petit, commencent à inventer des divinités. Donc tu vois, tu es d'une civilisation gréco-romaine. Tu as vu les Grecs, comment ils ont parlé de Dieu, des dieux. Ils ont eu besoin de mettre des dieux sur tout et sur n'importe quoi. Les Égyptiens, tous les peuples, chaque peuple ou chaque groupe de peuples a voulu voir Dieu dans quelque chose. D'accord? Donc là, c'est les cœurs alors qui ont parlé. Et ça a créé une infinité de divinités. D'accord? Et ça a créé une infinité de religions. Ça a même créé une infinité de foi. Le chrétien exprime une certaine foi. Le juif exprime une certaine foi. Le bouddhiste, qui n'a pas de religion, exprime une certaine voix, une certaine foi. Même le marxiste a fini par adopter la foi marxiste, malheureusement. Même ce type de courant de pensée ont été transformés en foi et en religion. D'accord? Donc finalement, on laisse libre cours à l'anarchie. Si Dieu l'avait voulu, pourquoi pas? Si Dieu l'avait décidé, pourquoi pas? Maintenant, si je te dis qu'il y a une autre manière de voir les choses et qui ne vient pas du cœur d'un humain ou de la pensée d'un humain, donc les arguments peuvent se valoir. Tu me sors n'importe quel argument humain, je te sors 10 000 arguments humains qui clouent le bec à ton argumentaire, quel qu'il soit. Si on se débarrasse de cette notion de Dieu, parce que finalement tu te débarrasses de Dieu, en osant dire qu'une religion est née à tel ou tel endroit, et si Allah l'a décidé? Et ça, la question. Si Allah l'a décidé. Maintenant, ta question à toi, et comment tu sais qu'Allah l'a décidé? Ouvre le Coran. Ne pas ouvrir autre chose. Ouvre le Coran. Récupère ta tête, récupère ton cœur, débarrasse-toi de tes a priori et de tes préjugés. Ouvre le Coran et lis et étudie. Et après, dis-toi, il y a 1400 ans, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé au 7e siècle. Je suis de France, elle est où la France au 7e siècle? Qu'est-ce qu'il y avait en France au 7e siècle? Quels étaient les systèmes de pensée au 7e siècle? Quels étaient les écrits du 7e siècle? Comment les gens réfléchissaient au 7e siècle? D'accord? En France, et si tu veux même en Europe, d'accord? La France n'existait pas à l'époque, mais dans cette zone-là du monde, tu peux même prendre toute l'Europe si tu veux, au 7e siècle, et tu pars voir. Et avant, tu as une belle civilisation. Tu pars voir ce qui a été dit et fait et écrit chez les Grecs, chez les meilleurs Grecs que tu veux. Et ensuite, tu pars voir cet endroit normalement qui devait rester incognito et qui ne devait pas intéresser la Terre et le monde. Il devait être rien. La péninsule arabique. Un endroit précis, la Mecque, et un autre endroit précis, Médine. Au 7e siècle, il faut que tu étudies
quel était le niveau intellectuel des Médinois et des Mécois au 7e siècle? Quelles étaient leurs productions? Qu'est-ce que les Arabes de l'époque avaient produit comme pensée, comme réflexion, comme idée? Et ensuite, tu prends le Coran et tu ouvres le Coran. Et là, tu vas être étonné. Tu vas être étonné, définitivement étonné. Tu ne pourras pas répondre par autre chose que Allah. Ce n'est pas possible. Mais il faut faire un effort sur toi-même. D'accord? Il faut débarrasser l'orgueil, il faut débarrasser ton sectarisme, ton fanatisme et tes a priori qu'on t'a inoculé sur des années et des années et des années malheureusement. Non. Dieu, le pouvoir de Dieu est si puissant. Il est l'univers. Il est l'univers. Non, Dieu n'est pas l'univers. Là, tu insultes Dieu. Et sans te rendre compte, tu supprimes Dieu. Dieu n'est pas l'univers. L'univers est rien dans la création d'Allah. L'univers est une créature d'Allah. Ni plus, ni moins. D'accord? Et si puissant, donc le pouvoir de Dieu est si puissant. Oui, il est l'univers. Dieu est partout à la fois. Ah bon? Il est toi alors, Dieu. Il est partout à la fois. Il est toi. Il est dans la poubelle. Il est dans ce que tu laisses dans les toilettes. D'accord? Il est dans les animaux, Dieu. Il est partout. N'est-ce pas? Donc là, tu vois, aberration totale. Donc là, c'est la réflexion, la pauvre, qui commence à dire n'importe quoi. Non, 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 Dieu est indépendant de ses créatures. Dieu est indépendant de ses créatures. C'est lui le créateur. Et partout à la fois, s'il avait dû choisir une religion type, il ne va pas choisir plus un peuple qu'un autre. Et qui t'a dit que Dieu, Allah, a choisi un peuple plus qu'un autre? Ma question. Qui t'a convaincu de ça? Et qui est ce peuple alors qui a été choisi par rapport à un autre? Tu vas dire les Arabes, ces barbus, ces gens bizarres. Ah non, les Arabes représentent 10 à 12% aujourd'hui. Sur le 1,6 milliard de musulmans, les Arabes représentent à peine 10 à 12% des musulmans. Et l'islam est partout dans le monde. Tu vas en Sibérie, tu trouveras des musulmans. En Chine, tu trouveras des musulmans. En Mandourie, tu trouveras des musulmans. Au Japon, tu trouveras des musulmans. En France, il y a des musulmans. Partout, partout, partout dans le monde, il y a des musulmans. Il y a même un miracle d'Allah, puisque Allah, par l'intermédiaire de son prophète, a dit que cette religion entrera dans n'importe quelle maison. Dans toutes les maisons, elle entrera. Après, celui qui voudra l'adopter, il l'adoptera, et celui qui ne voudra pas. Mais tout le monde, elle passera par tout le monde. Elle sera dans chaque foyer. D'accord? Et Allah l'a expliqué dans son Coran, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. Et nous avons aujourd'hui un miracle d'Allah qui s'est produit. Il faut que tu saches que 24, 24 heures, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours dans le monde, d'accord? Chaque seconde, plus chaque seconde, il y a l'appel à la prière musulmane. Le fameux adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc toute la terre glorifie Allah 24, 24, 7 jours sur 7, 365 sur 365, seconde par seconde. À chaque fois que l'appel à la prière finit dans une contrée de la terre, il commence dans une autre. Donc si on met des haut-parleurs aujourd'hui au niveau de la terre entière, on n'entendra que l'appel à la prière musulmane. Et ça, c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. Donc le Coran aujourd'hui, la parole d'Allah aujourd'hui, l'appel à la prière aujourd'hui, les musulmans aujourd'hui sont partout dans le monde. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, il n'y a pas de différence entre un noir et un blanc, un rouge et un jaune, entre un clairasse, il n'y a pas de différence autre que par quoi? La seule différence qui peut exister, c'est la crainte d'Allah. Et la crainte d'Allah, seul Allah la connaît. Seul Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs. Et il n'y a pas un peuple qui peut dire aux autres peuples, moi je suis meilleur
pour, que vous, Allah m'a choisi pour la religion ou ce type de malheur que les Juifs avaient dit. Les Juifs aujourd'hui sont 12 millions de personnes, ils refusent catégoriquement toute autre forme de religion, ils sont fermés à l'infini parce qu'ils ont toujours pensé qu'ils sont le peuple élu d'Allah. Si tu trouves un musulman un jour te dire, nous sommes le peuple élu d'Allah, nous les Arabes, nous les musulmans, ou nous ci ou ça, c'est qu'il n'a rien compris de sa religion. Donc réfléchis, mon frère. Réfléchis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.